As an Indigenous woman from my community, it is very important that we speak for ourselves and not speak for other people. And without them, everybody here to speak for themselves, we cannot have an equal gathering and move forward in a balanced way. And this is unfortunate because that means we have a long way to go before we win our fight against the nuclear monster. So, thank you. Bonjour tout le monde. こういうところでお話しする機会を与えられまして、予想のネットの grâce à laquelle j'ai pu venir à Paris en cette occasion et j'ai donc le plaisir de parler devant vous aujourd'hui. 今日はスライドがちょっとおかしくなってて見にくいところがあるかもしれませんお許しください。Je suis absolument désolé que pour les questions d'incompatibilité logicielle, les images qui sont projetées seront peut-être un petit peu difficiles à voir. 今日の話題は昨日もちょっとお話ししたんですけれども福島の甲状腺がんの話とそれに政府がちゃんとそれをサポートしないというので民間の3.11 甲状腺がん子ども基金というのを私たちが作ったんですけれどもそのことについてお話しHier, au moment de la première réunion plénière, j'ai légèrement abordé les deux sujets que je vais approfondir aujourd'hui. D'une part, la question de la multiplication des cas de cancer de la thyroïde à Fukushima, et d'autre part, du fait que le gouvernement japonais ne prend aucune mesure pour aider les malades et leurs familles. Je vais vous parler du fonds d'aide que nous avons créé. C'est le secteur privé au Japon qui est obligé de prendre des mesures que le gouvernement se refuse à prendre. Et donc il s'agit du fonds d'aide aux enfants du 11 mars victimes de cancer de la thyroïde. ですから今日のタイトルは、内容はこれに示されています。Donc voilà, sur la première image sont résumés les deux points que je vais développer aujourd'hui. Alors là, vous voyez une carte de Fukushima et des environs qui montre la contamination radioactive autour de la centrale de Fukushima Daiichi à partir de l'accident nucléaire du mois de mars 2011. Et donc, vous voyez en rouge et vert, là, dans l'arc de cercle, il s'agit du département de Fukushima. Mais comme vous pouvez le constater, bien sûr, la contamination ne s'est pas bornée aux limites de ce département et a gagné les départements limitrophes, que ce soit au sud-ouest ou au nord. Par exemple, c'est allé jusqu'à Miyagi, au nord, mais aussi au sud-ouest, Gunma, qu'est-ce qu'il y avait déjà ? Même jusqu'à Tokyo. Oui, voilà. Oui, Tokyo, là, sur la terre. Tokyo, ちょっと前の東京、政府はそのこれだけ汚れているんですけれども福島県だけで健康調査とかそういう健康対策っていうのを一切他の県では一切やってないということです。
Alors, le paradoxe, c'est que, alors que la radioactivité, enfin la contamination, a gagné les départements voisins, le gouvernement se refuse à faire des examens, des études médicales autres, dans d'autres départements de Fukushima. C'est donc tous les examens en santé publique sont au sein d'un département de Fukushima.福島県で、やっている健康調査なんですけど、主なものは18歳以下の小児の甲状腺がんと、基本調査っていうのはアンケート調査でその人が事故の時にどういうふうに動いたかっていうことをアンケートで取って、そこのバックグラウンドの汚染が分かってますから、それから線量を想定したっていう、そういう線量評価の仕方です。Et donc en ce qui concerne les enquêtes de santé publique dans la population de Fukushima, il y a deux choses différentes. D'une part, des enquêtes qui ont été menées auprès de la population pour savoir le contexte dans lequel les habitants se trouvaient au moment de l'accident nucléaire, et pour déterminer à peu près quelles étaient, enfin, dans les zones où ils se trouvaient, quels étaient le taux de radiation. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, qui est beaucoup plus précise, c'est de faire des enquêtes pour déterminer l'incidence des déclenchements de cancer de la thyroïde chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 19 ans. で、その enquête 調査に答えた人はまだ 27.5% ぐらいしかいないので、実際の評価はできていないんですけれども、まあ全体に被爆は少ない、チェルノブイリの大体10分の1ぐらいしかないと。Alors, en ce qui concerne l'enquête, donc le questionnaire général qui a été demandé, enfin, là, ça n'a porté que sur, enfin, il n'y a eu que 27,5% de réponses par rapport aux gens qui avaient été soumis à cette enquête. Et donc, le gouvernement dit que d'après les résultats de l'estimation des doses, les régions qui ont été contaminées à Fukushima étaient très faiblement contaminées, à peu près un dixième de ce qui s'est passé après l'accident nucléaire de Tchernobyl. それで、甲状腺の検査は全部福島県立医大の委託しています。D'autre part, toutes les enquêtes plus précises relatives à l'incidence des cancers de la thyroïde ont été confiées à la faculté départementale de médecine de Fukushima. で、その県立医大でほとんどやっているんですけど、昨日もお話ししたんですけれども、甲状腺がんの検査に、まあ、これはあんまりよくわかんない。ごめんなさい。あんまりよくわかっ、これ見にくいんですけど、1回目は30万人の、18歳、事故当時18歳以下の子どもたちを対象に、2011年の10月から検査を始めて、第1ラウンドが終わると、その2年おきにこう第2ラウンド、第3ラウンドというふうに検査をしています。Alors, j'ai légèrement abordé ce sujet hier pendant la conférence plénière, mais en ce qui concerne les examens pour déceler d'éventuels cancers de la thyroïde chez les enfants, voilà comment les choses se sont passées. Il y a eu une première série d'examens qui a commencé en octobre 2011 et qui a porté sur 300 000 enfants et adolescents qui avaient moins de 19 ans au moment de l'accident nucléaire de Fukushima. Et ces examens étaient censés être reproduits avec une fréquence tous les deux ans.
それで第一ラウンドの、検査に、検査を受けた人は30万人なんですけれども、ここで116人の人が、子どもが甲状腺がんという診断を受けて、その中の1人が良性だったんです。だから115人が甲状腺がんという診断を受けました。Et donc, pour cette première série d'examens qui portait sur 300 000 personnes, les résultats ont été les suivants. 116 cas de cancer de la thyroïde déclarés. Et en fait, ensuite, il a été confirmé que 115 personnes étaient véritablement atteintes du cancer de la thyroïde. で普通小児甲状腺がんというのは非常に珍しい病気で、1年間に大体100万人に2人とか多くて3人ぐらいしか発症しない。Alors, ce qu'il faut souligner pour comprendre la gravité de ces chiffres, c'est que les cancers de la thyroïde chez les enfants et les adolescents, c'est une maladie qui est extrêmement rare en termes statistiques. Sur 1 million d'enfants et d'adolescents, en moyenne en temps normal, il y a 3 cas, 2 à 3 cas de cancer de la thyroïde. ですけれども、この場合30万人の検診で115人、確定は115人ですけれども、受けた、甲状腺がんになったということで、非常に多発したというふうに私たちは考えるわけです。Et donc, bien évidemment, en voyant les chiffres de cette résultat de cette enquête faite sur 300 000 enfants, c'est-à-dire un peu moins du tiers. Des statistiques habituelles, hein, des 1 million, on voit l'augmentation absolument effrayante des cas d'occurrence de cancer de la thyroïde. で、ですけれども、福島県立医大もそうですし、これの、甲状腺がんを、福島県立医大が発表して、その健康管理健康管理検討委員会っていうのがあって、そこで評価されるわけですけれども、その人たちはこれは多発ではなくてスクリーニング効果っていうふうに言っています。スクリーニング効果っていうのは非常に精密な機械で、でたくさんの人を、症状がないたくさんの人をいっぺんにこう検査したっていうことによって、本当は臨床的には出てこない人を見つけてしまったというのをスクリーニングというふうに言っています。Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces examens ont été faits à la faculté départementale de médecine de Fukushima, qui travaille en lien avec ce qu'on appelle la commission d'experts pour le contrôle des cas de cancer de la thyroïde. Et en fait, leur conclusion face à ces résultats, c'est qu'il n'est pas possible de trouver de lien de cause à effet direct entre l'irradiation massive après l'accident et l'incidence et l'augmentation des cancers, mais que tout simplement cette augmentation de cas de cancer de la thyroïde serait due à ce qu'on appelle screening effect, c'est-à-dire les effets du dépistage, sous prétexte que l'on utilise pour le dépistage des échographes qui sont extrêmement performants. Et donc que sur toute la population qui a été soumise à ce genre d'échographie, on a réussi à trouver des cas soupçonnés de cancer minime de la thyroïde qui n'auraient jamais été décelés cliniquement en dehors de ces examens très précis. Le screening effect, c'est de l'expliquer, c'est de 6 fois ou 7 fois. Et on peut dire effectivement que ce qu'on appelle les effets de dépistage, grâce à ces machines performantes, ça permet de déceler éventuellement 6 à 8 fois plus de cancers que ce qui aurait eu lieu sans ce dépistage très précis. でもこの場合は数十倍の多発ですから、本当は説明できないんですけれども、まあ、そういうふうに彼らは主張しています。
Et donc, la commission d'experts joue sur cet argument qui est tout à fait spécieux, puisque quand on regarde les résultats de la première série d'examens, on se rend compte qu'il n'y a pas une augmentation de 6 à 8 fois supérieure des cas de cancer, mais plusieurs dizaines de fois supérieure aux chiffres habituels. で、もし、まあ、スクリーニング効果っていうのを、まあ、認めたとしても、じゃあスクリーニング効果で全部もう見つけちゃったんですから、じゃあもしスクリーニング効果だとしても、第2ラウンド、第3ラウンドはもう見つからないはずですよね。Et en fait, en toute logique, si on dit que l'effet de dépistage est responsable de cette augmentation assez marquée de cas de cancer, comme c'était pendant la première série d'examens, on pourrait supposer, donc en toute logique, qu'à partir de la deuxième série et voire la troisième série, à ce moment-là, les résultats de cancer, de cas de cancer de la thyroïde déclarés n'existeraient plus puisque tout aurait été détecté au moment de la première série d'examens. Or, ce n'est pas le cas. Or, les chiffres réels sont les suivants. Les résultats de la deuxième série d'examens, qui cette fois portait sur 270 000 sujets, ont permis de déceler des cancers de la thyroïde avérés ou suspectés comme tels d'un nombre élevé puisqu'il s'agit de 71 cas au moment de la deuxième série d'examens. Des nouveaux cas. A1 何も症状がない。で、A2 っていうのが5ミリ以下の結節と、まあ、20ミリ以下の脳波っていうのに なってるわけですけど、で、B っていうのが5ミリ以上の腫瘍なんです。Alors, je précise pour des raisons de statistiques que lors de la première série d'examens, on a établi trois catégories de malades, c'est-à-dire A1, en fait, ce sont des enfants et des adolescents sur lesquels les résultats montrent qu'il n'y a pas de tumeur maligne, enfin que tout est normal. De nodules solides ou liquides. A2, ce sont des enfants chez qui on a décelé des nodules solides, c'est-à-dire des kystes, de moins de 5 mm et des nodules liquides de moins de 20 mm. Et puis B, alors là c'est le cas le plus grave bien évidemment, ce sont des cas où l'on décèle des nodules solides de plus de 5,1 mm ou liquides de plus de 20,1 mm. それで1巡目で A1、A2 の診断を受けた人が2巡目っていうのは2年後ですけれどもB の診断を受けたということはこの甲状腺がんは一般的に非常に増殖が遅いというふうに言われているんですけれどもそうじゃなくて2年で5ミリ以上に大きくなった。Alors, quand on voit les résultats de la deuxième série, c'est-à-dire une augmentation de 71 cas de cancer de la thyroïde, et que parmi ces 71 cas, il y a 33 personnes qui relèvent de la catégorie A1, 32 qui relèvent de la catégorie A2, 5 qui relèvent de la catégorie B, et il y avait une personne non examinée. Ces chiffres vont à l'encontre des arguments officiels concernant le cancer de la thyroïde, c'est-à-dire qu'on dit que ce cancer se demande un certain nombre d'années pour se développer. Or là, il se trouve que ces résultats ont été obtenus pour certains 2 ans après l'exposition au rayonnement, enfin aux radiations qui émanaient de Fukushima. Vous voyez, là, c'est tout à fait probant
que le critère selon lequel ce cancer de la thyroïde se développe lentement, et c'est un argument qui est soutenu par les autorités, bien évidemment, et cet argument est faux. Et donc, pour revenir aux résultats extrêmement élevés de la première série d'examens, c'est-à-dire 116 cas, en tout cas 115 avérés, de cas de cancer de la thyroïde, cela prouve bien évidemment, de mon point de vue, qu'il ne s'agit pas de cet effet de dépistage, mais tout simplement qu'il y a un lien direct de cause à effet entre l'exposition aux radiations dans toute une série de zones qui ne se bornaient pas à Fukushima et le déclenchement de ces cancers de la thyroïde. Donc, je vous ai exposé mon point de vue, mais je pense qu'il y a un rapport direct de cause à effet entre l'exposition aux radiations et le déclenchement des cancers de la thyroïde. Bien évidemment, les autorités, à commencer par la commission d'experts, dit qu'il n'en est rien et que la cause de l'augmentation de ces cancers, c'est ce qu'ils appellent overdiagnosis, c'est-à-dire un diagnostic surestimé ou superflu par rapport à la réalité. で、オーバーダイアグノーシスっていうふうに言ってるんですけれども、実際にこれは福島県立医大で手術しているんでですが、125例手術 しました。Alors, pour revenir à cette fameuse question d'utilisation du terme overdiagnosis, je voudrais partir d'un cas très précis, c'est-à-dire, en fait, sur les chiffres qui vous ont été présentés, 125 enfants et adolescents ont subi une opération du cancer de la thyroïde, pour soit une ablation totale, soit une ablation d'un des deux lobes de la thyroïde. Et ça a eu lieu systématiquement dans cet organisme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la faculté départementale de médecine de Fukushima. Dans tous les cas, c'est le docteur Shinichi Suzuki qui a effectué ces interventions chirurgicales. その結果約、まあ、77.6% この人たちが、まあ、リンパ節に転用していた。Et donc, vous voyez, par rapport à ces 125 cas, les résultats que publie le chirurgien, donc le docteur Shinichi Suzuki, c'est que 97 cas, c'est-à-dire 77,6%, plus des trois quarts des enfants et des adolescents opérés, présentaient des métastases au niveau des ganglions lymphatiques. Les 49 cas restants, c'était des patients sur lesquels on a diagnostiqué grâce à l'opération une dissémination hors de la thyroïde de ce cancer. Donc ça représente presque 40% du total. ですから、まあ鈴木先生はオーバーダイアグノーシスとは言えない、この、手術をしなければいけなかったんだということを言っています。ただ、彼はオーバーダイアグノーシスではないけれども、これはスクリーニングエベントだということを言っています。Et donc, dans la mesure où ces chiffres précis ont été obtenus, le professeur Suzuki prétend qu'il ne s'agit pas de ce fameux surdiagnostic, mais que les résultats obtenus sont dus, enfin, donc on revient à cet argument de départ, sont dus aux effets de dépistage, screening effects.
第一ラウンドの結果をまとめて、あの県民健康調査検討委員会というあの会があるんですけれども、それが、まあ、中間報告というのをまとめます。Alors, à partir des chiffres que je vous ai donnés, la commission d'experts médicaux, qui est une commission donc, qui est nommée dans le département de Fukushima, a tiré des conclusions provisoires hein, de tous ces résultats et les a résumées dans un rapport qui date de mars 2016, il y a environ un an et demi. Sur la première série d'examens. Hein. Alors, ce rapport reconnaît que la première série d'examens a permis de découvrir des cas de cancer de la thyroïde plusieurs dizaines de fois supérieurs en nombre aux chiffres d'occurrence de cette maladie estimés d'après d'autres données statistiques. だけれども、それは放射線の影響とは考えにくい。Et malheureusement, ils en concluent qu'il est quand même difficile d'affirmer que cette augmentation est due aux conséquences directes de l'exposition aux radiations. で、その、あの、理由としてここに書いてあるんですけど、読めますかね。ちち言うと長いので。これ読めればもう言わないんですけれども。Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir sur quels arguments se base la commission d'experts pour dire qu'il est difficile d'affirmer donc ce lien de cause à effet entre l'exposition aux radiations et le déclenchement des cas de cancer de la thyroïde. Très bien, je vous parle.だから言いますよね、それ読めない。イボミュクチュリーズとはカスカチュリーズ。じゃあ私は直接にそのフランス語で言わせてください。Donc, en fait, leurs arguments, c'est que les doses auxquelles les enfants et les adolescents ont été soumis étaient plus faibles que celles qui ont suivi l'accident nucléaire de Tchernobyl.Le deuxième argument, c'est que pendant cette série d'examens, première série, en fait, il y a une durée trop brève, c'est-à-dire 1 à 4 ans, entre l'exposition aux radiations et le déclenchement de la maladie. D'autre part, ils prétendent qu'il n'y a pas d'incidence de cancer chez les moins de 6 ans, enfin, les enfants qui étaient âgés de moins de 6 ans au moment de l'accident de Fukushima.Et qu'il n'existe pas d'écart notable entre le taux d'incidence selon les zones géographiques, c'est-à-dire le département de Fukushima et les départements limitrophes. それで、あの、こういうふうに専門家が放射線の影響とは考えにくいとか、そういうことを言っていて、あの、社会、福島県の地域社会でも、その、放射線の影響だということを知られたくないという、あの、一般的な空気がある。Et donc, voyez, au vu de ces arguments, on peut en conclure qu'en réalité, les spécialistes, la commission d'experts en l'occurrence, de cette question, font en sorte que même dans la communauté, dans la société départementale de Fukushima,les autorités ne veulent pas que les habitants connaissent ces chiffres ou en tout cas ne font en sorte que les habitants ne soient pas en mesure d'interpréter ces chiffres. それで、あの、私たちはその甲状腺がんの人が非常に、あの、自分が病気になったのにそれをあの社会から隠さなきゃいけないというそういう非常にあのメンタルにもあるいは甲状腺がんになると非常にお金もかかりますしそういうことでもう彼らを助けたいということで 3.11 甲状腺がん子ども基金というのをあの作りました。Alors, avec d'autres personnes, je vous explique pourquoi nous avons voulu créer ce que nous appelons donc le fonds d'aide aux enfants du 11 mars atteints de cancer de la thyroïde.
La première chose, c'est que pour que ces enfants ou adolescents qui ont été diagnostiqués cancéreux soient soignés, ça demande énormément d'argent. Or, le gouvernement n'aide pas financièrement les familles. Bon, ça, c'est la première chose. Il y a des difficultés économiques très grandes. L'autre difficulté qui est aussi importante, c'est que les enfants diagnostiqués et leurs familles ne veulent pas, pour ne pas subir l'ostracisme de leur communauté, ne veulent pas que l'entourage soit au courant de la maladie. Donc ça implique qu'ils font tous les efforts pour cacher cette maladie. Et ça représente donc sur le plan psychologique une tension absolument effroyable. Et ici, il y a des informations qui ont été créées. Alors d'autre part, donc, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons voulu créer ce fonds pour aider non seulement financièrement, mais psychologiquement, pour soutenir psychologiquement les enfants et leurs familles. Mais je vous explique maintenant plus précisément dans quel contexte nous avons créé ce fonds.事故を起こしたっていうのは結構のことだけど、政府のあの、それをちゃんと監督してなかった、あの政府の責任であり、まあ、原子力を推進してきたということもあって、そういう政府の責任だから、これは政府がやるべきことなんですけど、 Alors, l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé ce fonds, elle est très très simple. En fait, la responsabilité du gouvernement japonais dans l'accident nucléaire de Fukushima, mais pas uniquement, est énorme. Puisque depuis des décennies, le gouvernement japonais a promu de façon extensive le nucléaire civil au Japon. Et bien sûr, en l'occurrence, l'opérateur de la centrale, TEPCO, est aussi largement responsable. Mais dans la mesure où c'est l'État qui porte la plus grande responsabilité, à la fois matérielle et morale, de l'accident, il faudrait que ça soit l'État qui prenne en charge l'indemnisation de toutes les personnes qui ont été irradiées. Or, l'État japonais ne fait rien. この左側は放射線要素がずっと飛んだ、これは国立研究所、原子力研究機関が作った。Alors, vous voyez, là, je vous montre les régions dans lesquelles ce fonds d'aide a décidé d'intervenir. Sur la carte de gauche, ça c'est une carte qui a été établie par, au niveau national par le centre d'études radiologiques. L'agent japonaise à l'énergie atomique. Et là, vous voyez, ça montre la dissémination des radiations dans toute la zone et pas, enfin, au-dessus de toutes des zones contaminées, pas uniquement Fukushima. Alors, vous voyez, là, sur la carte de droite, vous avez la localisation de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, et puis, en marron, tous les départements dans lesquels nous avons décidé les départements, les familles qui habitent dans ces régions et auxquelles nous avons décidé de donner des aides sous une forme ou une autre. Oui, parce qu'ils ont reçu le passage de panache radioactif. Hein, c'est bien. Mais le panache en question, c'est. Oui, de l'iode radioactif. Oui. あの、事故の当時住んでいて、18歳、その時18歳以下で25歳までで発がんした人が対象になっています。 Alors, d'autre part, quelles sont les personnes qui peuvent recevoir des aides de notre fonds? D'une part, des personnes qui résidaient au moment, enfin, et qui continuent à résider ou non d'ailleurs, mais qui résidaient dans l'un des 15 départements
dont vous, que vous avez vu sur la carte à droite, et qui des personnes qui doivent être âgées de moins de 18 ans au moment de l'accident nucléaire de Fukushima, mais ou être âgées de moins de 19 ans et qui ont déclenché le cancer avant 26 ans. Voilà, c'est ça. Pardon. それで、あの、そういう人たちには、あの、10万円で745ユーロぐらい。754ぐらいです。Et donc, à chacune de ces personnes, nous accordons une aide financière de 100 000 yens, un forfait, ce qui représente à peu près en euros 7 500 euros. Non, c'est 750 euros. À peu près. Oui, environ. Ça, RI 治療っていうのを受けたりするとまたそれぞれ210万円。Et à cette aide vient s'ajouter une autre indemnisation de la même somme, c'est-à-dire 100 000 yens pour les personnes qui connaissent une récidive de ces cancers ou chez qui on a découvert entre-temps des métastases et qui ont dû être réopérées. で、これによってあの福島から73人で他の県からあの27人今までにあのアプライしてます。Alors, vous voyez, là, il y a le tableau selon les départements. Hein, il y a en fait 15 départements dans lesquels notre aide fonctionne. Ça vous donne la répartition par département du nombre de personnes ou de familles que nous avons aidées. Vous voyez, bien évidemment, dans le département de Fukushima, elles sont beaucoup plus nombreuses, 73. Hein. Là, vous voyez, c'est sur un total de 100 personnes. であの福島県、先ほどあの申し上げましたように194人あの発がんしているんですけれども実際には73人しかアプライしてこないということで非常に私たちもあの困っているんですけれどもあのやっぱりこう少ないというのは社会的にこう自分が甲状腺がんであるということを知られたくないということの表れなのではないかと。Et donc, vous voyez, par rapport aux 194 personnes qui avaient été diagnostiquées hein, pendant la série d'examens, vous voyez que simplement à Fukushima, 73 personnes ont demandé de l'aide, hein, ce qui représente à peine deux fois et demi moins. Enfin, et pour moi, c'est le signe psychologiquement que les enfants, les adolescents et leurs familles sont tellement, ont tellement peur d'être ostracisés dans leur communauté villageoise ou urbaine qu'ils préfèrent continuer à dissimuler la maladie, alors même qu'ils pourraient, si c'était rendu un tout petit peu public à cause de cette demande d'aide, ils pourraient bénéficier d'une aide. Mais ils ne le font pas, ils ne prennent pas cette initiative. したらあの4歳の事故当時4歳の子供だった人があの甲状腺がんになってその申請してきました。Et depuis quelques temps, enfin depuis la création de notre fonds et depuis que nous avons commencé cette activité, nous avons pu récupérer des documents montrant qu'on avait découvert une incidence de ce cancer de la thyroïde chez un enfant qui était âgé de 4 ans au moment de l'accident nucléaire de Fukushima, c'est-à-dire en 2011, mars 2011. で、あの、この子供は、あの、まあ、1巡目で A 班して、2巡目でそのがんっていうふうに、あの、まあ、ここに書いてありますから分かると思うんですけれども、で、あの、経過、福島県立医大で経過観察ということをされていた。Et donc, vous voyez, en ce qui concerne cet enfant, voilà comment les choses se sont passées. Lors de la première série d'examens, il était diagnostiqué A, c'est-à-dire il n'y avait pas de cellules malignes. Lors de la deuxième série, en 2015, on lui trouve des cellules malignes ou suspectées telles.
son état s'aggrave, il est mis en observation à la faculté départementale de médecine de Fukushima pendant plusieurs mois. Et enfin, le premier semestre 2016, le docteur Shinichi Suzuki, ce chirurgien, effectue une intervention chirurgicale sur cet enfant pour ablation, je ne sais pas si c'est total ou partiel, de la thyroïde. Voilà comment les faits se sont déroulés. で、ここに書いてあるように、県立医大で手術したんですけれども、それが検討委員会に報告されていなかった。Alors, ce qui est quand même extrêmement problématique, c'est que le docteur Suzuki n'a jamais évoqué ce cas d'intervention chirurgicale auprès de la commission d'experts du département de Fukushima. それで、県立医大、どういうふうにその検査が行われているかということをこれ書いたものなんですけど、分かりにくいかもしれないんですが、これ県民健康調査っていうものの中に、事故当時18歳以下の子どもが甲状腺検査をこれするわけですね。Alors là, je reviens, c'est peut-être un petit peu complexe, sur le système qui est appliqué dans le département de Fukushima pour arriver à déceler d'éventuels cancers de la thyroïde chez des enfants et adolescents âgés de moins de 19 ans. で、一次検査っていうのは、非常に学校やなんかで行われるんですけれども、ラフに、ラフっていうか、超音波検査をやるわけですね。Alors, lors de la première série d'examens, en fait, c'était des examens qui étaient effectués déjà avec des machines à ultrasons, mais généralement dans les écoles, c'est ça, dans les écoles du département, mais on ne peut pas dire que ça a été des examens très stricts, très précis. で、その時に、先ほど言った A 判定、A 判定だと、何でもないということで、次回の、検査に回されるわけです。Et donc, pour les enfants qui sont diagnostiqués A1 et A2, c'est-à-dire des cas qui ne paraissent pas préoccupants, à ce moment-là, ils sautent, si on peut dire, la série d'examens plus précis et ils seront examinés plus tard, c'est-à-dire deux ans plus tard, c'est oui, ça, deux ans plus tard, mais pendant cette période de deux ans, on s'occupe plus d'eux. で、その時、5ミリ以上の腫瘍があった場合っていうのが、二次検査に。Alors, en revanche, les sujets qui sont diagnostiqués catégorie B et C, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a décelé des nodules solides ou liquides dans la thyroïde, à ce moment-là, ils sont soumis à un autre examen. De... その結果、バイオプシーをやった方がいいということになった場合、バイオプシーをやって、それでがん、内視はがんの疑いという診断がつくと、この県民健康調査検討委員会というのに発表されるわけで。Et donc, lors de cette deuxième série d'examens, si on soupçonne effectivement des cellules malignes, on procède à une biopsie de la thyroïde. Et à partir du moment où les résultats de la biopsie disent qu'il y a soit des cellules malignes, soit des cellules soupçonnées comme telles, à ce moment-là, on met le sujet en phase d'observation dans cette faculté de médecine, et ce sont en principe les résultats obtenus à ce stade-là qui sont communiqués directement à la commission d'experts médicaux du département. で、先ほど言った194人というのはそういう結果で発表された数字です。Et donc, le chiffre de 194 cas déclarés que j'ai évoqué tout à l'heure, il a été obtenu à travers ce processus d'examen que je viens de vous décrire. で、この時に性難者、性、あ、この、診断がつかない場合は経過観察という経路に入ります。
Quand on arrive au stade après la biopsie où on soupçonne des cellules malignes, on met les sujets en question en phase d'observation, ce qu'on appelle phase d'observation. Et quand on est entré dans la phase d'observation, quand on est entré dans la phase d'observation, il y a 2719. Alors, vous voyez, en mars 1917, 2719 enfants ou adolescents avaient été mis en phase d'observation. En revanche, aucune publication sur le nombre de cancers effectivement déclarés qui a été décelé pendant cette phase d'observation. Là, ça reste totalement obscur, point d'interrogation. Et donc, cet enfant de 4 ans que j'évoquais tout à l'heure est passé par ce processus. Lui aussi a été placé en phase d'observation. Et donc, dans la mesure où lui, son cas ne figure absolument pas dans les documents publiés par la commission d'experts, moi j'en conclus que tous les chiffres qui sont publiés par cette commission sont sujets à des doutes. 実際あのこれここで発表された数字をもとにあの、まあ、研究者の人は論文を書いて。Et donc malheureusement, c'est à partir des chiffres publiés, des chiffres douteux publiés par cette commission d'experts, que ensuite il y a donc notamment les médecins de la faculté de médecine de Fukushima vont publier des rapports qui sont basés sur des données, à mon avis, faussées. ですから、あの研究者の人もそうですけど、県民健康調査検討委員会の、あの委員もですね、ここに何人入って、あ、入った人は2719人ですけど、この中から何人がんになったかということを、あの、まあ、みんな調べてほしいという結論になったわけです。Et donc, parmi les sujets mis en phase d'observation, donc je vous ai dit 2719 personnes, on ne sait pas le chiffre exact de cancer déclaré. Donc, la première demande urgente, c'est que l'on nous produise des chiffres exacts pour pouvoir arriver à des conclusions qui soient exactes. Et その結論がですね、この間発表されたんですが、あの福島県立医大であの治療した人に限ってこれからその、調べるという結論になったわけです。Et donc, ce qui la conclusion pour le moment, c'est la conclusion des experts, enfin des médecins de la faculté départementale de médecine de Fukushima, qui disent que en ce qui concerne les résultats, on se basera uniquement... Non, c'est pas ça. Non, ça veut dire que là, ils ont dit que en ce qui concerne cette catégorie des personnes qui n'ont pas publié, la commission a dit, nous allons étudier à l'intérieur de la faculté de la médecine et donc nous allons rendre compte dans... On ne sait pas quand, mais ils ont dit, on va étudier les cas. Voilà. Or, si on veut véritablement examiner de plus près ces cas, il suffit de 2 jours de travail hein, pour un médecin. Et pour moi, c'est complètement absurde de penser que dans cette faculté de médecine, on va mettre des années pour arriver à nous fournir des résultats précis. ということは、まあ、政府、まあ、環境省がこれをやっているわけですけれども、実際にあの甲状腺がんが非常に増えると、今発表されている以上に
増えるわけですから実際は。と非常に都合が悪くなるということだと思います。Et je pense que si vous voulez cette réticence à produire des chiffres exacts vient du fait que toutes ces études sont mandatées par le ministère de l'environnement japonais et que si on publiait des résultats qui prouvent que les cas de cancer de la thyroïde sont dans une augmentation encore plus grande que ce que les chiffres précédents des premières, deuxième, troisième série d'examens ont prouvé, à ce moment-là, le ministère de l'Environnement se sent très mal. Et donc, bien évidemment, notre souhait, enfin notamment dans le fonds d'aide, mais pas uniquement nous, c'est que les membres de la commission d'experts et son président fassent vraiment toute la lumière sur ces chiffres qui n'ont été que partiellement publiés et donc complètent les résultats. それで、スタートの下に行かないですか。16番ないの。で、甲状腺がん多発の原因として、まあ、検討委員会が挙げている理由はここに書いてありますので、まあ、読んでくださればわかります。Oui, donc, si vous voulez, je vais essayer de démolir, mais de remettre en doute les pseudo-arguments de la commission d'experts qui prétend notamment qu'il n'y a pas de lien direct de cause à effet entre l'irradiation et le déclenchement des cancers de la thyroïde. Alors, voilà les arguments de la commission d'experts. Premièrement, les doses auxquelles les habitants de Fukushima auraient été soumises seraient beaucoup plus faibles que celles qui ont été émises au moment de l'accident de Tchernobyl. それで、今その事故当時4歳っていうのは今言いましたけれども、一番初めに書いてあるチェルノブイリよりも被爆線量が低いっていうことを盛んに言ってるわけですね、先生は。Donc, ce qui est curieux, c'est que ce premier argument, les doses d'exposition sont plus faibles que lors de l'accident de Tchernobyl, en fait, sur le plan statistique, ça ne s'appuie sur rien, puisque... Mais en fait, Les mesures d'exposition interne ont été limitées dans le département de Fukushima à 1080 cas seulement. これはウクライナで13万人測って、ベラルーシで4万人測ったと計測したということと比べると全く少ない数字で、非常に恥ずかしいことなの。En Ukraine, ils ont examiné 130 000 personnes et en Bélarus, 40 000 personnes. Donc par rapport à ces chiffres, 1080, c'est dérisoire. Ouais. で、まあ、1080人測っているんですけれども、それもバックグラウンドが非常に高いところで測っているので、正確ではない。分かってるんですが、それでもその1080人測った中で非常に高い人はいない、線量が高い人はいないということで、まあ、被爆線量が少ないという結論になっているわけです。Oui, parce que la méthode de la mesure a été mise en cause même par le congrès des experts, parce qu'il y avait, ils ont mesuré dans un environnement autour où le niveau de la radioactivité était trop haute. Donc voilà, la méthode n'était absolument pas stricte pour faire ce genre de mesure de la thyroïde. まあ、1巡目で116人も出たということは、3年以内に腫瘍が5ミリ以上になったということで、
これはあの腫瘍が、甲状腺がんは非常に増殖が遅いという今まで言われていたことと反するので、これ1巡目が116年というのはそれはが、違うという腫瘍ラディエーションの影響ではないというふうに言っているわけですけど、実際には2年以内に、先ほど言いましたように2年以内にもう5年以上に増殖したものがあるので、彼らの言っていることは当たらないということです。Alors, l'un des autres arguments de la commission d'experts, c'est qu'on n'a pas assez de recul dans le temps pour dire que l'augmentation des cancers de la thyroïde est due directement à l'influence des radiations. Alors, les chiffres dont nous disposons, des résultats de la première et de la deuxième série d'examens, vont totalement à l'encontre de cet argument. Puisque dans un premier temps, on a donc trouvé 116 personnes, en réalité 115 hein, finalement, qui étaient soupçonnées de cancer de la thyroïde déclaré, ou on se doutait qu'ils avaient un cancer de la thyroïde. Or, au bout de 2 ans, lors du second examen, 2 ans après, parmi ces 116 personnes, il y en avait un nombre très important chez qui on a découvert déjà des nodules qui était d'une taille supérieure à 5 mm. C'est bon. Oui, donc, oui, il y a eu un développement très rapide. Grossissement oui. Très, oui, voilà, rapide. Un développement très rapide de ces nodules. De, まあ、こういうので、甲状腺がんはこういう理由でもって放射線の影響ではないというふうに結論付けているわけですけれども。Donc, vous voyez, cet argument de dire on n'a pas assez de recul dans le temps pour dire qu'il s'agit d'un lien direct de cause à effet entre exposition des radiations et déclenchement du cancer, c'est un argument complètement faussé au vu des chiffres d'augmentation des cellules cancéreuses entre la première série et la deuxième série d'examens. それじゃあ、甲状腺がんの原因は一体何なんだということで、まあ、日本の甲状腺学会が出しているガイドラインを調べてみました。Alors, là, je vais vous faire un résumé des principales causes de déclenchement du cancer de la thyroïde, telles que la liste en est donnée par l'Association japonaise de la thyroïde, enfin des maladies thyroïdiennes, et donc c'est tiré de leur guide thérapeutique des tumeurs thyroïdiennes, des facteurs de risque favorisant l'occurrence de ce type de cancer. それで、それ見て、甲状腺のリスクファクターは何ですかっていう Q&A のところがあるんですが、ここに明らかな被爆、放射線被爆というのは明らかなリスクファクターであるというふうに書いてあります。Alors, il est écrit noir sur blanc dans ce guide thérapeutique que l'exposition au rayonnement ionisant, c'est-à-dire plus particulièrement une forte exposition en dessous de l'âge de 19 ans, est un facteur de risque évident de déclenchement du cancer de la thyroïde. De その、それにはちゃんとしたまあ、エビデンスがある、質の高いエビデンスがあるということで、リスク、放射線被曝というのがリスクファクターだ。Et donc, il est très clairement indiqué dans ce guide que le facteur de risque, l'un des plus importants facteurs de risque, c'est justement l'exposition à des rayonnements ionisants. Et son autre, l'évidence de la situation, c'est clairement clair, mais l'évidence de la situation, c'est clairement clair. Alors, l'un des autres facteurs de risque qui est noté comme évident dans ce guide, c'est que les cancers, déclenchement des cancers de la thyroïde, ça peut être lié à des antécédents familiaux, enfin notamment héréditaires. De, まあ、体重の増加っていうのもあるんですけど、これはあまりエビデンスがありません。L'un des autres facteurs de risque cités, c'est la prise de poids chez des personnes. Ça risque, enfin, ça peut
peut-être ça va augmenter la probabilité déclenchement de cancer de la thyroïde, mais le guide précise bien qu'il ne s'agit pas, contrairement aux deux précédents, d'un facteur de risque très évident. Et donc, cette association spécialisée dans les tumeurs thyroïdiennes japonaises dit que, en dehors des trois facteurs de risque exposés, il n'existe pas à l'heure actuelle de facteurs de risque de déclenchement de cancer de la thyroïde qui soit démontré scientifiquement. Dans les antécédents familiaux, est-ce qu'il y a aussi l'exposition au rayonnement? Dans la liste qui est donnée, en fait, on fait vraiment la distinction entre l'exposition au rayonnement ionisant d'une part et tout ce qui peut être facteur héréditaire de l'autre. Hein, il n'y a pas à l'intérieur. Si les parents ont été exposés, ça peut avoir un effet sur la descendance. Moi aussi, その両親の方は被爆者、ね、家族の中に被爆した人がいたら、それにその遺伝のあれが出てくるかもしれないんじゃないかっていう質問なんです。それはあるかもしれない。そういう遺伝子疾患、遺伝子のある人、遺伝子疾患のある人は、まあ被爆によってもちろんそうなんです。遺伝子疾患がある人は被爆によって。Oui, effectivement, si un membre de la famille a été lui-même exposé à des rayonnements ionisants, il est tout à fait possible qu'au niveau de la génération suivante et de façon héréditaire, le risque soit accru chez les enfants. De ce point de vue, le risque facteur de radiation est le risque facteur de radiation. 甲状腺学会だけではなくてアメリカのがん学会アメリカの甲状腺学会のガイドラインにヨード不足と放射線被爆あと遺伝子異常というのはet ce qui est intéressant, c'est que les facteurs de risque que l'on trouve listés dans ce guide publié par l'Association japonaise des maladies thyroïdiennes, on retrouve la même liste dans des guides analogues, soit de la Société d'oncologie des États-Unis, la Société d'études thyroïdiennes des États-Unis, où il est marqué noir sur blanc que les déclenchements des cancers de la thyroïde peuvent être dus à des carences en iode, à l'exposition au rayonnement ionisant et notamment, et entre autres aussi, peut-être à des anomalies génétiques ou à des problèmes héréditaires. として理由挙げた理由は全て否定されるだから結論としては放射線の影響は否定できないという少なくとも否定できないというべきだと思います。Et donc pour revenir auplusieurs arguments donnés par la commission d'experts pour tenter de prouver qu'il n'y aurait pas de lien direct de cause à effet entre exposition aux rayons ionisants et déclenchement des cancers de la thyroïde. Bien évidemment, ces arguments n'ont aucun fondement. Et moi, je pense qu'il faut dire au contraire qu'il est impossible de nier les conséquences sur le déclenchement des cancers de la thyroïde de l'exposition aux radiations. これ、福島で事故が起こった後、国際専門家会議というのが福島でよく行われています。Alors, depuis l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, à plusieurs reprises ont eu lieu à Fukushima même des congrès d'experts internationaux
pour étudier la situation et l'évolution de la situation. それで、2016年の10月に、この荒れた専門家会議の結果を受けてですね、山下先生と丹羽先生が代表になって、福島県に提言をしたわけです。Lors d'un de ces congrès qui a eu lieu il y a exactement un an, à la fin octobre de l'année dernière, deux spécialistes de cette question des cancers de la thyroïde, le professeur Niwa et surtout le docteur Yamashita, ont donc fait un exposé où ils proposaient leurs solutions pour résoudre les problèmes thyroïdiens à Fukushima. Mais ils ne sont pas forcément... Yamashita est spécialiste des cancers de la thyroïde. Quant au professeur Niwa, lui, il est spécialiste de radiologie. Et en fait, ils s'escrivent à soutenir qu'il n'y a pas de lien direct de cause à effet entre exposition aux radiations et cancer de la thyroïde. Donc, dans la mesure où ils posent ça comme préambule, ils en tirent la conclusion qu'il n'est pas du tout indispensable de continuer les enquêtes, enfin les examens médicaux avec échographie sur la population de Fukushima pour déterminer régulièrement s'il y a une augmentation des cancers de la thyroïde. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que lors de cette proposition faite il y a un an par les deux médecins précités, ils reprennent exactement les mêmes arguments, les mêmes conclusions que ceux de la commission d'experts précédemment, pour de nouveau affirmer qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'exposition au rayonnement ionisant et le déclenchement des cancers de la thyroïde. Et donc, quant au système de dépistage d'éventuels cancers de la thyroïde, ils prétendent que dorénavant, il n'est plus du tout indispensable de les faire systématiquement, mais que ce sont aux enfants, enfin aux jeunes et à leurs familles, à ceux qui le désirent, de demander des examens complémentaires. Dans la série des arguments totalement faussés, l'argument suivant est produit.
d'après ces professeurs, il n'y a pas de probabilité, de possibilité de déclenchement de cancer de la thyroïde à Fukushima chez des enfants de moins de 5 ans. Alors, pourquoi disent-ils ça? Ils disent parce que dans le cas de Tchernobyl, effectivement, il y en a eu énormément, mais dans la mesure où chez nous, il n'y en a pas, du coup, ça prouve, une fois de plus, qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'exposition aux radiations. その5歳以下がいないということが非常に、まあ、大きな原因を彼らは主張しているわけですが、実際にはいたわけで、でいないと発表したときに山下さんはいたということを知ってた。Or, ce qui est véritablement troublant, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si ce n'est qu'un cas, on a découvert un cas de cancer de la thyroïde chez un enfant de 4 ans à Fukushima. Or, le professeur Yamashita était parfaitement au courant de cette information. Il n'en a pas fait état du tout. Il a gardé le silence au moment de son exposé il y a un an lors du congrès d'experts internationaux. で山下さんがいたポジションというのは、まあ、県立医大の健康管理センターというところの、副所長をしてますから、4歳児に発症があったということは彼らは知っていたはずだと私たちは想像したわけです。 Moi, ce que j'imagine, c'est qu'en fait, le professeur Yamashita, qui, à l'origine, est originaire de Nagasaki, hein, mais il est, en tout cas, au moment des faits, c'est-à-dire au moment de l'opération de cet enfant de 4 ans, il était vice-président du centre départemental de santé publique de Fukushima. Donc, il est tout à fait probable qu'il ait été au courant de l'opération faite sur cet enfant. でもそれを確かめるのはやっぱりジャーナリスト の仕事 で和田さんというジャーナリストが、山下さんに直接インタビューした。Or, il y a un journaliste, Wada Makoto, qui lui a voulu interviewer le professeur Yamashita justement sur ce silence. 彼は、まあ、喜んで落ちたわけじゃなくて、その和田さんが、まあ捕まえて無理やり したわけですけど。Je peux vous dire que Yamashita n'était pas du tout content d'être interviewé. Il a fallu que le journaliste le coince pour essayer de lui poser quelques questions. で、なぜ自分が山下さんはご存知だったんですねということを言ったわけです。Et donc, le journaliste l'a attaqué de front en disant « Vous étiez tout à fait au courant, n'est-ce pas, docteur, sur cette histoire d'opération chirurgicale d'un enfant de 4 ans ?» Alors, bien sûr, comme Yamashita le savait, là, en présence du journaliste, il n'a pas osé nier le fait qu'il était au courant. どうして長寿はその知ってたのに公表しなかったんだって言った聞いたときに、まあ、ここに挙げたような、まあ、正式なデータがないのに話はできないとか、まあ、検討会に出てこなかったとか、まあ、言い訳にならないような言い訳をしてたわけです。Et en fait, le journaliste a insisté et lui a demandé mais dans quel but vous n'avez pas rendu public cette information sur l'opération de l'enfant de 4 ans. Et là, il a donné des réponses totalement fumeuses, dont la liste est marquée là, notamment en l'absence de données officielles, il est impossible de traiter ce sujet. Ensuite, ces données n'ont pas été transmises à la commission des experts médicaux. Et si elles n'ont pas été transmises, c'est que la commission ne les a pas réclamées. Et que d'autre part, argument ultime, cette opération chirurgicale est à mettre dans les clauses de confidentialité, donc on n'a pas à les publier, à publier les résultats. De よくデータを隠すっていうか公表しないのに理由としてですね、よく個人情報っていうのを使うんですね。個人情報これを公表したとしても個人が特定されるわけではないのに。個人情報っていうことを隠れみのに
Alors, parmi les arguments qu'a donné le professeur Yamashita, on retrouve une sorte de fausse raison qui est très très souvent donnée au Japon, enfin dans, face à ce genre de problème, donc dans les milieux médicaux, c'est-à-dire que ces informations relèvent d'un dossier médical confidentiel, le dossier du patient, d'ailleurs auquel souvent, je pense, le patient lui-même n'a pas accès, et que dans cette mesure-là, on ne peut pas officiellement les publier. Mais sûr, c'est faux. Et au vu de toutes les informations que je vous ai données, je pense malheureusement qu'il est tout à fait probable que dans les années qui viennent, les examens poussés et réguliers de la thyroïde soient de plus en plus minimisés et donc qu'on en fasse de moins en moins et dans des durées de temps plus longues.原発事故を起こしてしまったでしかも、その結果どのぐらい被爆したということも調べなかった。もちろん個人子供を含めて含めてですね調べなかっただからどのぐらい被爆したのかわからないでせっかく甲状腺の検査を始めたのにたくさんの症例が出てきたらもうこれをやめようとする。こういうことはもう本当に恥ずかしいことだと私は思うんですけれども、まあそういう日本の政府っていうのはそういうこと。 En fait, personnellement, ce que je trouve absolument déplorable et à la limite même ça me fait honte en tant que japonaise, c'est que d'une part, le gouvernement japonais, enfin via TEPCO, est largement responsable de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Ensuite, en dépit de cet accident très grave, il n'y a pas eu de mesure systématique de radioactivité, enfin de d'irradiation qui ont été faites dans les populations. Et que les seuls examens qui ont été faits et qui tendaient donc à réduire la question au cas de déclenchement de cancer de la thyroïde, maintenant on envisage même de les réduire, voire de les supprimer. Voilà. Et ça, c'est, vous voyez, ça marque nettement la position du gouvernement japonais par rapport à ce désastre nucléaire. Et donc, là aussi, ce qui est totalement paradoxal, c'est que le gouvernement ou ses représentants ont l'air de dire qu'ils sont tout à fait proches des patients. Qui souffrent notamment de ce type de cancer, mais en fait, les autorités ne se préoccupent absolument pas du contexte de vie quotidienne de ces gens-là. Comment vivent-ils? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Quelles sont leurs souffrances? Ça, bien sûr, c'est le silence total à ce sujet. Et donc, justement, au début, quand le fonds d'aide a été créé, l'un des buts, c'était aussi de faire une enquête très poussée auprès des malades et de leur famille pour savoir exactement comment ils vivent et comment ils ressentent cette situation. Et donc, dans la mesure où nous apportons une aide financière, notamment à ces familles, en fait, le taux de réponse à notre enquête a été très élevé, 95% de réponse.
で、まあ、95% の回答率を得た結果を、まあ、一部ですけどお話しします。Et donc, je vais évoquer un peu plus précisément les résultats de cette enquête. Bon, ça sera quand même assez partiel, assez fragmentaire, mais ça va vous donner une idée des réponses. で、あの、不安に思うことは何ですかっていうことをあの、聞いたわけですけれども。Alors, la première question, c'était quels sont vos sujets d'angoisse? Et là, bien sûr, il y avait plusieurs réponses possibles. On proposait toute une série de réponses.で一番、まあ、これはあの年齢とかあの性別によって回答は違いますけれども。Alors, bon, bien sûr, les réponses sont différentes selon l'âge et selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. まあ、結婚、それからあの結婚ですね、あと治療の、まあ、経済的に負担になりますから、あの治療費だとか、あと、あのちょうど18歳以下であの被爆した人ですからあのちょうどあの高校受験だとか大学受験就職とかそういうところにいる年齢なんですよね。ですからそういうことで非常にそれに対するあの、不安が多い。Alors, concrètement parlant, les réponses les plus nombreuses, bon là aussi ça dépend bien sûr de la tranche d'âge, mais une des choses les plus précises, c'est bien sûr les soucis financiers induits par la maladie et induits par la nécessité de continuer à se faire soigner. Bon ça c'est une chose, mais d'autre part, pour les adolescents, il y a des adolescents qui sont sur le point d'entrer, enfin au Japon, ça se passe par concours. De passer le concours d'entrée dans un lycée, ou plus 3 ans ou 4 ans après, d'entrée à l'université. Donc, ce qui les angoisse, justement, c'est comment vont-ils faire face à ces épreuves, enfin, dans tous les sens du terme, alors qu'ils sont très fatigués et malades. Et bien sûr, ensuite, leur angoisse se porte sur la recherche d'un emploi. Est-ce qu'ils trouveront un emploi? Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de se marier? Et si, s'ils se marient, quelle destinée pour leurs enfants? Donc voilà, en gros, bien sûr, les gros soucis qui pèsent au quotidien sur les malades et leurs familles. あと、その、どういうことを知りたいですか？ということなんですけれども。Alors, l'autre question, c'était justement, ces malades et leurs familles sont si peu informés officiellement que la question était de savoir quelles informations ils souhaitent recueillir à propos de, notamment, de leurs maladies, c'est-à-dire des cancers de la thyroïde. Là aussi, bien sûr, il y avait plusieurs réponses possibles. で、一番私たちが意外に思ったのは、一番多かったのは、甲状腺がんの原因を知りたい。Alors, ce qui moi m'a un petit peu surprise, parce que je ne m'attendais pas à ça, c'est que le plus grand nombre de réponses, c'est « nous voulons en savoir plus sur les causes de déclenchement de ce type de cancer ». あと、まあ、予防についてとかですね。あと、あの、医療保険に入れなくなるとか、まあ、そういうことが、まあ、保険をどうするかとか、そういう実際的な Et vous voyez, après, il y avait des réponses, par exemple, quel est le pronostic par rapport à ce genre de maladie? Ça soucie beaucoup, bien sûr, mais autrement, de façon, en fait, extrêmement concrète. Problème, est-ce que tous les soins vont être remboursés par les assurances maladies? Ou bien est-ce qu'au bout d'un moment, parce qu'il y a aussi des assurances maladies qui peuvent rembourser, mais jusqu'à une certaine période, et ensuite ça baisse où il n'y a plus de remboursement. Donc ça, c'est vraiment un des soucis les plus directs, les plus quotidiens des familles dont les enfants souffrent de ce cancer de la thyroïde. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il est les soucis à propos de l'avenir, c'est-à-dire du pronostic, et même de façon plus large, du pronostic vital par rapport à leur maladie. Et, 自由記載っていうところに書いてあったところなんですけど。Thank you.
réponse libre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, il n'y a eu absolument aucune contrainte par rapport à cette enquête. Chacun était libre de s'exprimer comme il voulait. Non, c'était aussi. Il y avait des questions comme ça, où oui. Il y avait des questions-réponses, et puis il y a un endroit où il pouvait écrire librement. Oui, en plus des questions, oui. Il y avait effectivement un paragraphe où il pouvait faire des commentaires personnels sur l'enquête et donc sur leur. フォームで、ちょっとショックなのは誰にも知られないように生活してきたっていう、で、まあ支援してくださる方がいることを知って生きる力をいただいたっていうようなことがあって、まあ誰にも知られないように知られないようにっていうのは、そういうことは非常にショックなこと。Alors, là je présente une synthèse des témoignages justement des malades et de leur famille. Et ce qui pour moi et mes collègues a été la chose la plus choquante, enfin la plus bouleversante, c'est que ce qui vient en premier dans les témoignages, c'est de dire que jusqu'à présent, nous avons vécu en faisant en sorte que les autres, l'entourage, ne sache rien de ce qui nous arrive. Et le fait d'ajouter, savoir que certaines personnes nous soutiennent, nous donne la force de vivre. C'est-à-dire, ils insistent vraiment sur le fait qu'ils sont obligés de dissimuler leur maladie, et donc, sur, même si ce n'est pas dit directement, sur cet ostracisme. Alors là aussi, ce qui est très très poignant, c'est le point de vue des parents qui dit en tant que parents, nous regrettons de n'avoir pas pu protéger nos enfants, mais comment aurait-il pu les protéger Alors, vous voyez, il s'est passé quelque chose, enfin, qui a ajouté à la catastrophe de Fukushima. C'est que au moment où le panache atomique passait au-dessus donc, de Diode 131, le temps était extrêmement mauvais. Et c'est-à-dire que d'une part, ça a poussé ce nuage vers d'autres régions, pas uniquement Fukushima, mais concrètement parlant, pour les gens de Fukushima, il s'est mis à pleuvoir. D'autre part, à neiger, le temps était effroyablement mauvais à ce moment-là, alors que c'était le début du printemps. Et donc, en plus, du fait du tremblement de terre, il y a eu les conduites d'eau qui ont été coupées. Ce qui fait que pour leur vie quotidienne, les gens étaient obligés d'aller recueillir de l'eau dans des seaux, de l'eau qui venait d'être infectée par l'iode 131. Non, parce qu'il y a des camions qui venaient ravitailler de l'eau, ils ont reçu évidemment beaucoup plus que d'habitude parce qu'ils ne seraient pas sortis à l'extérieur sinon. Mais comme il n'y avait plus d'eau, ils étaient obligés d'aller chercher cette eau quand les camions de citernes sont arrivés. Et donc ils étaient dehors, donc ils ont pu être irradiés à la fois par la pluie, par la pluie et puis aussi par la neige. Voilà, donc c'était les. Et donc, les mères des enfants qui ont déclenché le cancer de la thyroïde se sentent, enfin pour elles, c'est un poids, elles se sentent coupables parce qu'elles ont l'impression de n'avoir pas fait ce qu'il fallait au moment de l'accident. それで話題が変わりまして今度は二重気管閉鎖ですね汚染したところに
Alors là, je change légèrement de sujet. Je voudrais évoquer pour vous le troisième point qui est très très important, c'est-à-dire la politique de retour forcé induite par le gouvernement japonais pour donc obliger des gens qui s'étaient réfugiés ailleurs de revenir habiter dans des zones qui sont encore hautement contaminées. で、あの 20mmシベルト以上に年間ですね年間20mmシベルト以上になったところはまああの帰還困難区域としてまずこうそこから強制的に避難させられたわけです。 Alors bien évidemment, au moment de l'accident de Fukushima, les personnes qui habitaient dans des zones soumises enfin, à des radiations de plus de 20 millisieverts par an ont reçu l'ordre d'évacuer dans d'autres endroits. Et sur le nom de 20 millisieverts, il n'y a pas de 1 millisievert Et bien évidemment, en dehors de ces zones dans lesquelles les doses sont au-delà de 20 millisieverts par an, aux alentours, il y a un beaucoup plus grand périmètre où il s'agit d'une exposition à des doses supérieures à 1 millisievert par an. Et donc, il y a plus de 6 ans, au moment de la catastrophe, on a demandé aux personnes qui habitaient là de... Non. Là, dans ces endroits-là, les gens n'étaient pas évacués officiellement. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont parties en pensant qu'ils n'étaient pas obligés. C'est pas le gouvernement qui les a... forcé, c'est les, il y a quand même tu veux dire dans les zones de 1 millisievert par an. De 1 à 20, il y a eu この 1ミリから20ミリのところっていうのは 政府によって避難地域になったところもあるし、そうでないところでも自分たちで自主避難した人もいるっていう両方が入ってますよね。 Donc là, ça regroupe deux sortes de personnes évacuées. Effectivement, il y a eu encore, il y a eu des zones qui ont été évacuées officiellement par le gouvernement et d'autres zones où ils n'ont pas été décrétées les zones d'évacuation, mais où beaucoup de gens sont quand même partis en pensant qu'il y a eu la contamination. En fait, pour résumer la situation, c'est un peu ce qu'on appelle la zone évacuée parce qu'il y avait des doses supérieures à 20 millisieverts par an. Ça correspond à la zone interdite de Tchernobyl. Là, personne n'a le droit de rester. Donc, il faut l'évacuer. C'est une obligation. En revanche, dans les autres zones où le taux de l'irradiation était en dessous de 20 millisieverts par an et dans la tranche jusqu'à 1 millisievert par an, à ce moment-là, ça n'était pas une obligation d'évacuer. Il y avait des gens qui ont pris la décision spontanément d'évacuer. D'autres, non. Vous voyez, donc il y a ces deux cas qui sont tout à fait différents. これは普通、まあ、その周りは正常なところですから避難するのは当たり前なんですけれども、ここから今政府はここを返そうとして、実際に返してるわけですけど、返すときにこのここを部分的に乗船してるわけです。 Alors, vous voyez, montre qu'il y a parmi ces zones un certain nombre qui ont été, mais de façon tout à fait partielle, décontaminées, entre guillemets, après l'accident de Fukushima. それで、その乗船が、正常だったら、年間1ミリシーベルト。こういうところにいればですね、こういうところにいれば
年間チムジシーベルトに行かないわけですね。ですからお母さんたちは子供を連れてこういうところに避難してるわけですけど、それをここへ返そうとして、でこの除染の結果ですね、ここと同じ1ミリシーベルトにはならない。Donc, il y a une majorité de mères de famille avec leurs enfants en bas âge ou non qui sont partis après l'accident dans des zones qui n'étaient pas soumises à des doses supérieures à 1 millisievert par an. Et maintenant, le gouvernement, sous prétexte que les zones plus contaminées ont été décontaminées, cherche à faire revenir les familles dans des zones qui sont bien plus exposées que 1 millisievert par an en dose d'irradiation. Oui, parce que la décontamination ne permet pas de le rendre avant l'accident. Même avec une décontamination qui à certains moments est une décontamination des sols absolument superficielle, on ne peut pas revenir dans certaines zones aux doses de 1 millisievert par an maximum, tel que les sols, enfin les régions, étaient avant l'accident. それで、環境省はですね、日本の政府は年間20ミリシーベルトまではリスクがないから大丈夫だということで返す。Et donc, l'un des arguments pour faire revenir les populations dans leur lieu d'origine, c'est que jusqu'à, dans la mesure où la décontamination a eu lieu, il est sans aucun problème de revenir habiter dans des zones qui ont des doses jusqu'à 20 millisieverts par an. C'est le gouvernement japonais. C'est le gouvernement japonais via le ministère de l'Environnement qui prétend que ça ne pose aucun problème. Et cela est très étrange. Cette décontamination a beaucoup de coûts. 日本でもう今数兆円のお金がかかって。Alors, ce qui est complètement paradoxal, c'est que le gouvernement japonais a dépensé, continue de dépenser des sommes absolument considérables pour la décontamination des zones fortement irradiées. Ça représente plusieurs dizaines de milliards de yens. C'est énorme. でそういうお金があるなら、こう避難した人に住宅を建ててあげて、コミュニティを保存したまんまその避難させるということにお金を使った方がずっといいわけです。Et donc, pour moi, il me semblerait du plus simple bon sens de consacrer ce budget énorme, non pas à la décontamination des zones qui ne seront jamais entièrement décontaminées, mais pour donner cet argent aux familles qui se sont réfugiées ailleurs, de telle sorte que leur communauté, même de village, puisse être transposée ailleurs et qu'ils puissent reconstruire des petites maisons pour s'installer en dehors de Fukushima, en tout cas en dehors des zones très fortement contaminées. でまあ、そういうことをして、お金を無駄遣いしながら、しかもせっかくこう ここだったら正常な被爆線量で済んだのに、このお金をかけてわざわざ人をこういう被爆させるということをしているわけ。Et donc, vous voyez, ce qui est complètement absurde, c'est cette façon dont le gouvernement dilapide l'argent pour, en plus, essayer de faire revenir dans des zones hautement contaminées des personnes qui s'étaient installées dans des endroits qui étaient beaucoup plus sûrs. Cela dit, monsieur. でその年間その前にその説明した、これの次その次27、はい、これです。で結局20ミリシーベルトでいいというお墨付きを与えたのが、日本で低線量被爆ワーキンググループっていうグループなんですけれども、
Alors, en ce qui concerne ce chiffre de 20 millisieverts par an, qui maintenant, soi-disant, est quelque chose qui fait qu'on peut faire revenir les gens dans ces zones-là. Hein. Ce chiffre a été déterminé à partir d'un rapport d'un groupe de travail japonais sur le contrôle des expositions à faible dose. Et ce rapport a été publié dès décembre 2011, c'est-à-dire à peine 9 mois après l'accident nucléaire. で、このワーキンググループが結論を報告書を出したのは2011年の12月です。Donc, vous voyez, c'est un délai relativement court pour publier des conclusions. それで、彼らが言っていることはですね、国際的な合意で、その、発がんの、リスクというのは100ミリシーベルト以下では他の要因に隠れて見えない。で、明らかな 増加を証明することは難しい。この3つですね。国際的に100ミリシーベルト以下では。Alors, si vous voulez, le style même de ce rapport est quand même très significatif, puisque la conclusion, il dit selon un consensus international, les risques d'incidence de cancer dus à l'exposition radiation pour des doses inférieures à 100 millisieverts par an sont d'autant plus faibles qu'ils sont masqués par d'autres éléments susceptibles de provoquer des cancers. Il apparaît donc difficile de démontrer une augmentation évidente de ces risques. Donc vous voyez, les mots-clés, c'est international, mais qu'est-ce que c'est que ce consensus international ? En plus, il vous parle de doses inférieures à 100 millisieverts, ce qui est énorme. Et ces risques sont d'autant plus faibles qu'ils sont masqués par d'autres éléments. Et quels éléments ? C'est quoi ce groupe ? Quel groupe ? Un groupe qui vient d'où ? Ça, c'est un groupe, ça s'appelle groupe de travail sur le contrôle des expositions à faible dose. Donc, c'est le deuxième groupe. Donc, il faut passer. Donc, elle va vous expliquer tout à l'heure. で、その国際的というのは、じゃあ一体どういうことなんですか？ Justement, pour parler de ce consensus international, qui est-ce qui se cache derrière ce consensus international? 彼らが言う国際的というのは、ICRP とか、それからアンスケアとか、IAEA。Donc, ce sont les principaux responsables des grands organismes internationaux, par exemple AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, ANSCE, je ne sais plus ce que ça signifie, c'est américain, non ? C'est à l'ONU, oui. Et CIPR, c'est la Commission internationale de protection, de radioprotection. Donc voilà, ce sont ça les experts internationaux qui se prononcent de cette façon-là.私はがん学会とか定年退職前はがん学会とか国際生化学会とか細胞生物学会とかいろいろな学会に入っています。En ce qui me concerne, avant de prendre ma retraite, j'ai fait partie d'un certain nombre de sociétés médicales, oui, c'est notamment la société japonaise d'oncologie, tout ce qui concerne l'histologie, la société japonaise d'histologie, bref. でそういうところで発表され学会で発表されたもので学会で承認されればそれはまあ追試ができればですねそれは真実としてみんなに信じられるわけです。Et donc, tous les rapports que, des enquêtes que nous avons faites dans ces diverses sociétés, quand on en fait la synthèse, on peut aussi obtenir des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qui est dit là. IAEA とか、まあ、アンスケアで認められる必要は真実とするなにアンスケアで認められる必要なんかない、ないわけ。En fait, là aussi, c'est un peu ironique, mais tous ces rapports que nous publions et qui disent la vérité,
ça n'intéresse absolument pas les gens de l'ANSCEF et des autres associations internationales. En fait, justement parce que nous disons la vérité, ils ne publieront jamais ce que nous disons. En fait, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Japon, les choses se passent de la façon suivante. À partir du moment où on ne s'aligne pas sur les opinions de ces grands organismes internationaux, eh bien, on ne dit pas la vérité, c'est-à-dire ce que nous, on considère qui est la vérité, jamais. Et à ce moment-là, ce consensus international, en fait, ça masque des erreurs et des mensonges oui. par rapport à nous qui disons la vérité. Oui, mais c'est surtout qu'on considère que le consensus international, c'est justement ces organismes prétendent détenir la vérité. Ce sont des rapports. Et concernant Tout ce qui est énergie nucléaire et puis ses conséquences. Conséquences à faible dose. Oui. Oui. でそういうことで国際的っていうことをですね隠れ蓑っていうかにしてそれで認められないと真実ではないというふうに言っている人たちがの日本のその放射線専門家っていうのが、まあ、この一部ですけどね。Et donc, parmi ces responsables internationaux, d'experts, en fait, il y a un certain nombre de spécialistes japonais aussi, mais je précise quand même que c'est un petit nombre par rapport à des experts japonais qui, eux, sont de toute bonne foi et très sérieux. De 先ほどの停戦でワーキンググループっていうのが出ましたけど、そこの、まあ、放射線専門家の一番、まあ、トップっていうか、Alors, tout à l'heure, je vous ai cité le nom du professeur Niwa hein, par rapport à un rapport. Donc, c'est ce monsieur qui se trouve au milieu à droite et qui est celui qui est à côté à gauche, c'est le docteur Yamashita. Et donc, il.庭さんはですね、日本で、まあ、一応放射線生物学では非常にいい仕事をして、国際レントゲン賞っていうのをいただいたし、受賞された人。Alors, le professeur Niwa, c'est quelqu'un qui fait un travail extrêmement sérieux au Japon en ce qui concerne toutes les questions de radiologie.Il a même obtenu un prix et il est reconnu. Le prix Röntgen. Et il est reconnu internationalement pour le sérieux de ses recherches que je ne remets absolument pas en question ici. それとあと、まあ、ICRP の委員だった人とか、まあ、いろいろな人がおります。Et donc, vous voyez, il y a toute une série d'experts internationaux.Qui en plus, quelquefois, occupe une double fonction auprès des organismes cités ou dans un et un autre organisme. で、繰り返しさっきの、まあ、こういうことを言ってるわけですけど、本当はこの ICRP というのはですね、電力会社とか核産業の影響下にあるということは言われているわけです。Donc voilà, là je présente un tableau hein, qui a été élaboré donc, par la CIPR. Donc, oui, oui. Mais la CIPR, en fait, c'est une association tenue par des entreprises. Entreprises d'électricité. Ce sont des promoteurs du nucléaire, des producteurs nucléaires qui sont dans cet organisme. Oui, donc vous voyez, dans cette commission, sont des gens dont les opinions par rapport au nucléaire sont tout à fait orientées
dans la direction. Alors, il faut savoir que après l'accident nucléaire de Fukushima, le Parlement japonais a créé plusieurs commissions d'enquête sur ce qui s'était passé, et notamment une commission concernant toutes les questions de Après l'accident de Fukushima, au Japon, il y a eu plusieurs commissions qui ont été créées. Il y a eu la commission de TEPCO, il y a eu la commission privée, enfin des sociétés civiles, et il y a la commission mandatée par le Parlement. Donc Madame Sakiyama a fait des articles. でその、 あの事故調で HRP の委員っていうのがあの電力会社からお金をもらって国際会議に出席しているということが分かったわけです。Et donc, on s'est rendu compte à cette occasion que l'un des membres de cette commission, qui faisait partie de la CIPR... Non, pas de la commission. On a découvert avec cette commission que les membres de CIPR recevaient de l'argent des entreprises d'électricité pour aller à l'étranger, participerあの、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 あ
de ses conclusions. Cette fois-là, il y a eu, très récemment, puisque c'était au début du mois de septembre de cette année, un congrès de la Société japonaise des sciences, notamment commission de médecine clinique, qui a travaillé sur les conséquences chez les enfants de l'exposition au rayonnement ionisant et des questions à résoudre. Et là, le but, soi-disant, c'est de tirer profit à Fukushima des connaissances scientifiques actuelles dans le domaine. で、なぜこんなことが起こってるのかっていうふうに考えたんですけども、今政府は復興政策って、避難した人を元に戻すという政策を行っているんですが、お母さん方が避難したお母さん方は子供の健康のことが心配で、福島に帰らない。 Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement japonais est en train de promouvoir toutes les mesures permettant aux habitants de Fukushima qui s'étaient réfugiés ailleurs de revenir sur leur lieu de résidence habituelle. Or, la réalité des choses, c'est que notamment les mères de famille qui sont réfugiées ailleurs avec leurs enfants ne tiennent absolument pas à rentrer au pays, étant donné les risques énormes sur la santé, notamment des enfants. Mais le gouvernement s'obstine à vouloir, si on traduit littéralement, reconstruire Fukushima en y faisant revenir les habitants. Et donc, vous voyez, c'est dans ce contexte-là que le rapport dont je vous donne le résumé ici a été élaboré. Alors, ce qui est complètement absurde, vous voyez, ils disent dans ce rapport: afin de protéger les victimes les plus vulnérables, les enfants, ça veut dire en fait de la tranche de 0 à 18 ans. Hein. Et ça inclut également les femmes enceintes qui portent donc encore un fœtus dans leur ventre. Donc pour protéger les victimes les plus vulnérables, les enfants, considérés comme plus sensibles que les adultes au rayonnement ionisant, afin aussi de favoriser la communication mutuelle avec la population, il est nécessaire de promouvoir la reconstruction des zones sinistrées. Vous voyez, ce qui est étonnant dans ce paragraphe, c'est que le but, c'est de faire revenir la population sinistrée à Fukushima, mais que la raison qui est donnée, c'est, enfin l'intention, c'est pour protéger les victimes les plus vulnérables contre les rayonnements ionisants. Protéger la santé des victimes. Ouais, exactement. Et la santé mentale, d'accord. それで彼らはですね、言ってるの、いろんな情報を、例えば、 Et puis alors, ce qui est complètement fou, c'est que, en fait, bon, comme vous le savez, on a fait un certain nombre d'examens qui a permis de déceler des cancers de la thyroïde chez les enfants. Mais les informations précises sur tous ces chiffres ne sont pas données aux enfants et aux familles. Et là, soi-disant pour protéger psychologiquement les enfants et les familles du traumatisme qui ce serait d'apprendre la réalité de la maladie, ils mettent en avant le droit de ne pas savoir des patients et de leurs familles. それで住民を避難させたということは、むしろ、次なんですけど、避難させたことによって、事故を不安を与えた。だから、むしろ、
まあ、避難させたということは危険だから避難させるわけですけど、じゃあそこに危険があるんだっていうことで住民を不安にさせたっていうことが、まあ、反省しなければならないことみたいな形で書いてある。Et d'autre part, il considère aussi, ces spécialistes, que le fait d'avoir forcé la population à se réfugier ailleurs que Fukushima a augmenté leur angoisse. Et donc, que, alors qu'on les a évacués tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans des zones dangereuses, mais ça on ne le dit pas. Et donc, pour ne pas renforcer encore leur angoisse, il est nécessaire de les faire revenir dans leur lieu d'origine. で本当にあのこれっておかしいんですけれども。oui, c'est plus que bizarre, hein, ce genre de choses. で実際に子どもはですね、やはりあのこれはあのベアセブン、ベアセブンというあのアメリカのアカデミーから出ているあの報告書ですけど、それをもとに図を作ったわけですが。Alors, par contraste avec ces arguments, vous pouvez voir là un tableau statistique qui a été élaboré par le BEIR7, c'est-à-dire un document qui s'appelle « Effet biologique des radiations hein, » et qui a été utilisé lorsque nous avons travaillé sur les ordres du gouvernement pour étudier l'accident de Fukushima. ここに近いこれはあのそれであのベアセブンのあれなんですが、実際にこれ0歳の女の子と例えば40歳 の, あの男性っていうのを比較すると、やはり7倍 の, あの感受性の差がある。Donc, vous voyez, d'après ce tableau, on voit que le risque de déclenchement d'un cancer de la thyroïde chez une petite fille, un nourrisson, est au moins 7 fois supérieur, au même risque chez un homme d'environ 40 ans. で実際あの感受性は年齢が増すにつれて、あの男性でも女性でもあの感受性は下がっていきます。だから子供があの放射線に感受性が高いということは、これは異論がないところです。Et donc on ne peut pas dénier une évidence, c'est que la sensibilité aux radiations est la plus forte chez des enfants en bas âge, et que à mesure qu'on avance en âge, notamment à l'âge adulte, cette sensibilité décroît. Et donc moi je pense que c'est vraiment tout à fait étrange pour promouvoir cette fameuse politique de retour au pays, de mettre en avant la santé des enfants, enfin de parler des enfants. えー、賠償裁判をいろいろ各地でやっているわけですけれども、避難した人は正しいんだということを、まあ、原告側の証人として私はまあ、京都地裁に呼ばれて、原告側の証人として発言をした。Alors, il faut savoir que parmi la population de Fukushima, notamment, il y a plusieurs familles qui sont en procès, soit avec TEPCO, soit avec le gouvernement japonais, dans diverses régions du Japon, pour obtenir des dommages et intérêts par rapport à tout ce qu'ils ont subi. Et il se trouve que j'ai été appelée à l'un des procès pour témoigner comme experte médicale, et surtout pour témoigner de la véracité, enfin de la justesse de leur situation en expliquant scientifiquement pourquoi ils avaient raison de faire un procès. C'était la partie civile. Partie civile. Et il y a plusieurs, un certain nombre de procès faits par donc, les victimes. Mm-hmm.
で、その、講師はですね、警鐘を出したわけですけど、その講師は、ICRP ですら認めている LNP モデルというのがある。だから、いくら線量が低くてもリスクはあるんだということをベースにして、意見書を出したわけです。Et donc, je me suis basée sur le tableau que vous avez vu tout à l'heure, donc la linéarité du seuil par rapport au faible dose, pour développer les arguments. で、先ほどお話しした停戦でワーキンググループの報告書が出た後ですね、いろいろな、大規模な疫学調査が発表されて、その中でも1ミリシーベルトですらがんが増えるという論文が出ているんです。 Et en réalité, dans notre commission, enfin dans une des commissions, une des sociétés dont je fais partie qui étudie donc l'exposition à des faibles doses, nous avions déjà sous la main un compte rendu dans lequel cette exposition aux faibles doses n'est pas uniquement un facteur de risque de déclenchement du cancer de la thyroïde, mais de toutes sortes d'autres types de cancers. Et là, il y a eu récemment, après 2011, hein, il y a eu quelques rapports avec des exemples, parce qu'elle en a parlé hier, qui montrent même avec un millisievert, il y a des risques de déclenchement du cancer. Qui sont venus témoigner lors d'un procès de demande d'indemnisation des victimes qui a lieu au tribunal régional de Kyoto. Donc là, je vous présente la synthèse des avis de ces experts. Donc c'était pour contrer l'argument de Madame Sakiyama. Comme je vois, il pouvait y avoir un déclenchement de cancer à long terme, même à des doses d'exposition très faibles, de l'ordre de 1 millisievert par an. まあ、大体こういう人なんですけど、で、彼らが言うのはですね、先ほど言ったように、その論文が出たからといってそれが真実ではない、アンスケアとかそういうところで認められていないから真実は出ない、そういうものをベースにして意見書を出すっていうのは、まあ、国際的機関で合意されている低線量リスクの、科学的常識から外れているというふうに言ってます。Et donc, en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que même si nous publions des rapports avec des chiffres exacts, à partir du moment où formellement ils ne sont pas reconnus à l'ANSCER, ce n'est pas la vérité. Donc, leur opinion est totalement contraire. Et la conclusion, c'est donc que les conclusions de Madame Sakiyama et de ses collègues sont fausses, parce qu'elles s'écartent de ce qu'ils appellent le bon sens scientifique, qui fait pourtant consensus au niveau des organismes internationaux. De, そういう専門家の、放射線のリスクが大きいというふうに言う、ごく一部の専門家の影響で、みんなが不安になっているっていうふうに言っている。で、それで非難すると。で、その非難した人は、専門家の意見を聞いて非難したわけではないんですけれども、そういうふうに彼らは考える。Leur position, c'est que une frange extrêmement limitée d'experts, c'est-à-dire en l'occurrence Madame Sakiyama, en fait, ont complètement surestimé les risques des expositions à faible dose, et que ça a créé beaucoup de craintes
déraisonnable et de pousser d'angoisse chez la population par rapport au risque de contamination. Et maintenant, on veut clencher des gens qui sont partis de Fukushima à cause de ce genre d'experts. Alors qu'elle dit que ce n'est pas. Et donc, il pousse la logique jusqu'à dire qu'il y a une relation entre les études que j'ai faites sur cette histoire d'exposition à faible dose et le fait que ça retarde le processus de reconstruction du département de Fukushima en empêchant la population de revenir s'y installe. Si vous voulez, leur façon de penser est la suivante, c'est-à-dire sur un plateau de la balance, il y a la santé, notamment la santé des enfants. Sur l'autre plateau, il y a des considérations sociales, économiques, surtout économiques. Et donc, en fait, pour le gouvernement et ses experts, on fait pencher le plateau du côté économique et la santé n'a strictement aucune importance. Alors, j'en arrive à la conclusion par rapport à toutes ces considérations. Alors, la réalité, c'est que ça soit sur le plan théorique ou grâce aux études épidémiologiques, il n'y a pas de risque zéro à l'exposition, même à des faibles doses, et ça, même une commission comme le CIPR, qui est, on peut dire, inféodée au lobby pronucléaire, le reconnaît. Et donc, moi, ce que je soutiens, ce genre d'observation, bien évidemment, on ne peut pas prétendre, comme le disent les experts internationaux et le consensus international, que je suis en dehors du bon sens, du simple bon sens scientifique. Et d'autre part, bien évidemment, le facteur de risque le plus facile à envisager en ce qui concerne l'occurrence des cancers de la thyroïde, c'est évidemment le lien de cause à effet avec l'exposition aux radiations. Et donc, par ailleurs, le fait que des enfants, surtout des enfants en bas âge, soient beaucoup plus sensibles à l'exposition aux radiations que des adultes, en ce qui concerne les cancers de la thyroïde, ça a été largement prouvé, et donc il s'agit là aussi d'une réalité indiscutable. Et donc, nier totalement, comme le fait le gouvernement japonais, pour promouvoir la politique de retour au pays, nier totalement ce fait, j'ai oublié la fin de sa phrase. En fait, c'est complètement hypothéqué l'avenir des enfants, notamment de ceux de Fukushima. Et donc, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut véritablement arriver au Japon à construire une société qui privilégie l'avenir des enfants. Je vous remercie pour ça.
Alors, comme nous avons commencé avec Dorota, il est déjà midi 10, donc, oui, donc normalement on doit partir, mais personne ne vient nous réclamer. Si vous avez une ou deux questions, parce que c'est le professeur Michel Cardet, merci. Oui, oui. Oui. J'aimerais d'abord remercier l'orateur et les traducteurs pour un très bon exposé. Il y a eu dans cet exposé des comparaisons Tchernobyl, Fukushima. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Une des différences, c'est que à Tchernobyl, les retombées ont été faites d'une façon globale et que Fukushima a bénéficié d'un vent et d'un climat qui a permis ou qui aurait permis d'évacuer les petits-enfants, toutes les femmes enceintes, dans un moment où il n'y avait aucune radioactivité. Ça aurait donné la possibilité de distribuer le iode stable à la population en toute tranquillité. Il y avait une semaine pour le faire. Et si vous voulez mon résumé, c'est que le sujet de maladie thyroïdienne qui fait l'objet de travaux gigantesques au Japon est le sujet le moins intéressant qui soit, de loin, par rapport à toutes les autres pathologies qui sont effacées par cette montagne que représente la thyroïde. Mais vous dites qu'ils auraient pu, le gouvernement au Japon, on aurait pu bénéficier des enseignements de Tchernobyl pour protéger mieux. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Ce que je veux dire, c'est que si un sujet qui n'avait pas de place pour une recherche nationale, c'était la pathologie de la thyroïde, puisque c'était celle qui était le moins affectée. Et toutes les autres pathologies, y compris la cardiologie, etc., passent inaperçues et sont oubliées. あったので、で甲状腺ということに集中されてしまったんだけども、実は他のね、他の、疾患がたくさんチェルノブイリにも出てたんですね。で、多分福島の場合も同じようにね、甲状腺のことばっかりに集中してなってしまってるけれども、その別の疾患のことが全く研究もされないし話題にもされなくなってるっていうのが非常に問題であると、それをそのことを一言、確かにそうだと思います、で私たちもそれをご意見ありがとうございました。Merci beaucoup de votre point de vue. Je suis tout à fait d'accord avec votre façon de voir les choses. で、チェルノブイリで甲状腺がん以外の疾患が出てるということを私たちもいろいろ読んでますから、甲状腺がん子ども基金の方でも白血病だとか他の、免疫疾患とか、そういう疾患が増えてるかどうか。これから調査していく、そしてそういう疾患が増えていったら、甲状腺がんだけではなくて、そういう疾患の方にもサポートをしたいというふうに思っています。Et donc effectivement, j'ai lu moi-même beaucoup de papiers concernant les résultats des études faites à Tchernobyl, sur, pas uniquement sur l'occurrence des cancers de la thyroïde, mais évidemment sur toute autre forme de maladie, d'autres cancers ou d'autres maladies.
Et je pense que au fur et à mesure que le temps passe, puisque là, par rapport à Fukushima, il y a une durée de 6 ans et demi. Et il est vrai que nous nous sommes beaucoup focalisés sur les cancers de la thyroïde, mais j'ai conscience que avec le temps, sont en train de se déclencher d'autres formes de cancers, d'autres maladies. Et bien évidemment, il est dans mon intention, à partir de maintenant, de faire des enquêtes également, enfin donc beaucoup plus exhaustives, si vous voulez, qui ne soient pas bornées au cancer de la thyroïde, et notamment à travers le fonds d'aide dont je vous ai parlé. Nous n'allons pas, à partir de maintenant, les cibler sur les malades atteints de cancer de la thyroïde, mais nous voulons élargir notre champ d'action, ce qui signifie effectivement pouvoir faire des enquêtes sur toutes les autres formes de maladies induites par les radiations. Oui. Je voudrais revenir sur le cas d'enfant de 4 ans qui a attrapé la maladie et le fait qu'il y a apparemment très peu d'enfants de moins de 6 ans qui ont été atteints de cancer. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça par une différence dans les radios de l'isotope présent dans les nuages radioactifs? C'était pas les mêmes. Mais c'est la composition du nuage radioactif n'est certainement pas la même. Est-ce que l'explication au fait qu'il n'y a qu'un seul enfant qu'on a trouvé avec ce cancer à Fukushima ne réside pas justement dans cette différence? Je pense pas que ça soit une différence au niveau de la composition en isotope du nuage radioactif. Je crois tout simplement que à Tchernobyl, en fait, on a aussi observé une augmentation des cancers de la thyroïde qui au départ n'était pas très probante, et puis au fil des années, tout à coup, il y a eu une augmentation exponentielle. Et je pense que ce rapport, enfin entre le temps qui s'écoule et le déclenchement des cancers, c'est quelque chose qui est aussi valable pour Fukushima en ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans. Là, comme on disait, on a une durée de 6 ans et demi. Et à mon avis, on peut prévoir qu'au niveau des diagnostics, à partir de maintenant, on va constater de plus en plus de cancers de la thyroïde chez les enfants qui avaient moins de 5 ans au moment de l'accident de Fukushima Daiichi. Pour la santé des contaminés, est-ce qu'il y a un secret?女性の一人一人が、例えば健康について、それが政府の方で、国の方で隠そうとしていますか、何かそういうね、所詮した人たちの健康について、ご存知ですか。女性による被爆というのは、事故現場で働いている人たちよりも服装がちゃんとしてないんです、うん、ただ非常に清涼が高いところ、もし福島原発の構内で働いている人は、まあ、例えば全面マスクをするとか、タイベックを着るとか、そういうことをするんですけど、女性の人たちは
あの会員マスに行って、あの服装をちゃんとしてないから、あの外部被爆と内部被爆が多いんじゃないかと思います。En tout cas, en ce qui concerne, il faut faire la distinction entre les liquidateurs qui travaillent sur le site de la centrale et les personnes qui travaillent notamment à la décontamination des sols en dehors du périmètre de la centrale. Il dit bien évidemment, les doses d'exposition aux radiations sur le site sont certainement beaucoup plus élevées, mais les liquidateurs ont des masques complets, ils ont des combinaisons, ils sont vraiment, enfin, au niveau des vêtements, ils sont habillés de façon à recevoir le moins possible de radiation. En revanche, mieux contrôlé. Et c'est mieux contrôlé, et ça je parle à la fois d'exposition externe et interne. Et en revanche, les personnes qui font la décontamination des sols dans d'autres zones du département, elles ont tout simplement un petit masque médical, vous savez, de celui qu'on met sur le nez quand on a la grippe au Japon, et elles n'ont pas de vêtements spécialisés. Donc, dans les résultats, je pense que leur degré de contamination, de contamination est finalement plus élevé. Non, non, il n'a pas dit ça, mais, mais bon, oui. Peut-être qu'il y a des... Mais en fait, elle n'a pas répondu sur la question de est-ce que c'est tenu secret. その外で除染したっていう人が、うん、あの、がんになったとかいうのはないんですけれども、校内はあるんですね。で、あの、だけども、あの、これから出てくる可能性があるということと、私は一つ、あの、非常に懸念しているのは、そういう被爆労働者はちゃんと管理されてない。うん、あの校内で働いている人みたいに線量計がきちっとしてるわけでもないし、あの下請け下請け下請けわかりますか、ね、下請けの人それそうだから、もしそういう人たちにがんが出ても把握できないんじゃないかっていうのが非常にあの大きな懸念です。En fait, pour le moment, en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y ait de secret d'État par rapport à ça, mais il n'y a pas de rapport officiel publié sur les conditions de dégradation de santé, dégradation éventuelle de santé, à la fois chez les liquidateurs et chez les gens qui font la décontamination des sols à l'extérieur. Alors, si vous voulez, une des questions qui se posent et qui est très très spécifique à la situation au Japon, enfin à Fukushima, c'est qu'il y a un système qui fait qu'on ne peut pas contrôler individuellement chacun des travailleurs, que ce soit les ouvriers du nucléaire ou ceux qui travaillent à l'extérieur du point de vue santé. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire au niveau des entreprises qui recrutent ces gens-là à ce qu'on a appelé, nous, une structure qui est pyramidale avec des ramifications multiples. C'est-à-dire que vous avez un commanditaire qui passe par un sous-traitant, qui passe par lui-même par un sous-traitant. Et la plupart de ces travailleurs travaillent pour des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Donc, impossible d'avoir le moindre chiffre sur ce qui concerne la dégradation de la santé de ces travailleurs. Donc, elle craint vraiment qu'il n'y ait pas de suivi déjà. Et donc, on constate une augmentation peut-être exponentielle, notamment des cas de cancer, entre autres, parmi ces ex-liquidateurs ou travailleurs de Fukushima. そういう除染やってる人は若い男の人が多いので、まあ、これからあの彼らの健康にどのぐらい影響があるかっていうのは非常に懸念材料だと思います。Et moi je suis très soucieuse, notamment par rapport aux travailleurs qui font la décontamination des sols, parce que généralement ce sont des garçons qui sont encore très jeunes, et donc je ne sais pas du tout comment leur situation de santé, leur état de santé va évoluer dans les années à venir. Très jeunes, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore mariés, qu'ils n'ont pas d'enfants, mais
pour l'avenir. Alors, il y a une intervention là cet après-midi parmi les dans la plénière d'un travailleur. Alors lui, il n'est pas jeune, mais il a fait à la fois la décontamination et liquidation à Fukushima. Donc vous pouvez à 16h45. Est-ce qu'il y a des recommandations pour forcer les gens à retourner dans Fukushima, est-ce qu'il y a des recommandations sanitaires pour ne pas manger de froid, ne pas faire le jardin, manger champignons? あの、例えばこういうものを食べちゃいけないとか、あの何々に気をつけてくださいとか、そういうあの、まあ、あの被爆に関してのそういうあの、なんていうの、ガイドみたいな、そういうこともやってるんでしょうかって。あの、一応、だいたいいくらか政府が帰れって言っても、だいたいこう小さい子供がいる人で、そういうところへ帰る人っていうのは 20% 以下、それは一応言っといて。Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le gouvernement a beau s'obstiner à dire rentrer au pays, en réalité, surtout dans les familles où il y a des enfants jeunes, les gens ne rentrent pas. Hein. La proportion de personnes qui sont rentrées déjà depuis, je crois, c'est d'un an et demi, deux ans, hein, c'est environ 20%. Moins de 20%.避難区域だけじゃなくて日本全体で食べ物には100ベクレルキログラム100ベクレル以下普通 の, あの食べ物はそういうふうに決まっているんですけど、実際問題として100ベクレルいってる食べ物っていうのはほとんどない。大体高くて20ぐらい、大体は検出限界以下っていうのが多い。En fait, et il ne s'agit pas d'ailleurs uniquement de Fukushima, mais dans toutes les régions du Japon, il y a des directives chiffrées concernant la dose, les doses de radiation dans l'alimentation. Hein. Donc, c'est 100... une dose admise, c'est 100 becquerels par kilo. C'est bien en dessous de d'ici, hein, par rapport à ici. Oui, oui. Et donc, pour la plupart des produits alimentaires qui sont concernés, en fait, on n'arrive pas du tout, dans la réalité, à ces doses de 100 becquerels par kilo. Ça tourne autour de 20 becquerels par kilo. Mais quand on découvre ces 20 becquerels par kilo, donc, oui. J'ai été impressionné. Les commissions qui s'occupent de l'avenir de Fukushima et qui comportent comme experts des gens qui sortent du nucléaire et de sa propagande, ou d'une structure qui est pro-nucléaire en soi, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça, ce sont vos conseillers pour le pays et pour les politiciens. Il faut savoir que un des arguments de ces commissions, c'est que le cancer et que la pathologie est liée à l'angoisse, vous avez utilisé ce terme. Ça a été inventé à Three Mile Island, une première fois. Ça a été réinventé à Tchernobyl. Je vois que ça revient ici. Évidemment, c'est une façon de se débarrasser du risque du nucléaire qui est menacé par la réalité. Et ces gens-là sont au secours de l'industrie sous toutes ses formes, militaires ou civiles, qu'ils doivent défendre à tout prix. C'est ça,
On est très doué pour jouer sur les mots, et l'un des raisonnements qui va dans la direction que vous avez indiquée, pour les experts internationaux, c'est que, en fait, la crainte du nucléaire chez les gens de Fukushima a contaminé leur cœur. C'est-à-dire que sur le plan psychologique, bon, ça les a stressés. Donc maintenant, ce qu'il faut, l'une des tâches importantes, c'est, Kokoro no Jōsen, c'est de décontaminer les cœurs en supprimant chez les gens la crainte de l'irradiation et des conséquences sur la santé. Voilà. Il n'y a juste pas de choix maintenant, on arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales, ça ne sert plus à rien, ça coûte trop cher, c'est dangereux et militairement c'est inutile. Donc maintenant la seule décision pragmatique c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.